Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Timon Shape et c'est un plaisir de vous entraîner aujourd'hui. Et aujourd'hui la Team Shape, c'est parti pour un entraînement cardio 15 minutes débutant. En effet, vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne YouTube et pour ça, merci du fond du pec. Et il y a donc beaucoup de débutants. L'entraînement du jour est donc pour ces personnes. Et tant que j'y pense, mon e-book d'entraînement à la maison est disponible dans la description. Dans cet e-book, vous avez mon programme sportif avec plein d'exos à faire sans matériel. Vous êtes prêts? C'est parti! C'est parti à Team Shape, on attaque dans 10 secondes. En position. Allez, premier exercice, on va faire comme si on avait une corde à sauter. Donc on y va, on sautille. Comme si vous aviez une corde à sauter, comme ça. Et on fait des petits sauts. L'idée c'est de s'échauffer tranquillement, doucement, de faire monter le rythme cardiaque, de mobiliser un petit peu les épaules, les jambes, les mollets. Bref, se mettre en jambes. C'est le cas de le dire. Sinon j'espère que vous allez bien, que le confinement chez vous se passe bien. On est jour combien? 10, 11, on sait plus, on sait plus, on n'arrive plus à compter les jours. Allez, on souffle bien. Super, on va faire 45 secondes d'effort et 15 secondes de récupération. Voilà, on sautille, allez. Très bien. Super, on récupère. J'ai mon programme sur le téléphone. Génial, allez. On va faire des petits sauts. On va faire des petits sauts, je vais vous montrer ça de suite. On reste debout. Donc on lève la jambe et on fait un petit saut. L'autre jambe, un petit saut. Super, voilà. On commence à mettre un petit peu d'intensité, suivant bien sûr votre niveau. Chacun a son rythme. Si ça vous fait mal au niveau des genoux, vous faites ça. Voilà. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas faire de saut. Super. Allez, génial. On envoie. On souffle bien. Il faut que ce moment soit agréable pour tout le monde. Et surtout pour vous. Allez, courage. Super. Génial. On passe au sol. On va faire un exo abdos. Hop, vous allez vous mettre sur le dos et on va faire tomber les jambes comme on dit. Allez, les mains sous les fesses, les jambes tendues, on contrôle la descente jusqu'ici, hop, on remonte, c'est très très bien. Allez, on y va, on descend et on remonte, super. On souffle bien en haut, super. Allez, on donne tout. On y va, à son rythme bien sûr. L'idée c'est que vous puissiez tenir sur les 3 tours qu'on va faire. Voilà, on souffle bien. Super. Très bien, allez, vous pouvez poser la tête si vraiment vous avez mal à la nuque. Allez. Très très bien, super. Allez, on va pâcher. On va passer au prochain exercice. On va faire l'ours. Alors l'ours, je vais vous montrer comment c'est. Plusieurs niveaux. Si vous avez la forme, vous faites ça. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si c'est, vous continuez les autres. C'est trop dur, vous faites comme ça. Vous les faites sur les genoux. Vous essayez d'aller le plus possible. Et vous revenez. Ça dépend de votre niveau. Allez. On essaie d'aller le plus loin possible et on revient. Super, on essaie de garder les jambes le plus tendues possible. Je sais que c'est dur. Et on revient. Ça, c'est un super exo pour muscler vos épaules, gainer vos abdos aussi. Allez. Super. On relâche. On prend son temps. On a 15 secondes pour récupérer. Allez, on souffle bien. On va travailler maintenant les obliques. C'est le côté des abdos. Voilà, on vient toucher de part et d'autre. Comme ça. Super. Voilà, on y met du rythme, tranquillou. On souffle bien. Allez, on vient toucher de chaque côté. C'est très très bien.
Encore. Allez. On contracte. C'est très bien, lâchez pas, allez. Je le dis à chaque fois, mais vous allez finir le confinement plus en forme que quand vous l'avez commencé. Parce que beaucoup de personnes se mettent au sport, c'est très bien. Je trouve que l'avantage du confinement, c'est qu'il y aura de plus en plus de personnes qui auront pris du temps pour s'occuper d'elles pendant ce moment-là. Allez, prochain exercice qu'on va faire, on va faire un debout couché. Donc, on prend son temps. Il n'y a pas de saut ni rien. On met ses mains comme ça et on s'allonge. On se relève, un pied après l'autre et comme ça debout. Voilà. Hop, hop, on descend. Hop, hop. Et on remonte. Super. C'est très bien. Allez, on continue. On pense à bien souffler. Allez, hop. On essaie de suivre le rythme. Si vous êtes facile, allez plus vite si vous le souhaitez. L'idée, c'est de montrer aux débutants que on a tous commencé un jour. Encore. Ah, vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Ok, on va repartir sur un peu de corde à sauter. Allez, on souffle bien. Allez, les petits sauts. Voilà, comme ça. Pas besoin d'aller très très haut. Voilà, on peut jongler, voilà. Super. Allez, on fait des petits sauts, on sautille. L'entraînement qu'on fait aujourd'hui, il est aussi adapté aux enfants. J'essaie vraiment de vous proposer des entraînements ludiques pour que tout le monde puisse les faire à la maison sans matériel. Pas besoin de matos pour faire du sport. On souffle bien. Super, allez, on lâche pas. On continue les petits sauts, toujours, toujours, toujours. On serre les abdos. Très, très bien. Allez, on va faire des montées comme tout à l'heure. On va monter les genoux de façon dynamique. Les mains vont suivre aussi. Donc c'est parti, main, genou opposé, 1, 2, 3, 4, à chaque fois qu'on monte la jambe, on contracte les abdos, 5, 6, 7, 8, allez, 9, 10, 11, 12, pensez à souffler à chaque fois, super, et après quand vous serez à l'aise avec des entraînements comme ça, vous pourrez faire des entraînements plus durs sans problème. Allez, très bien, on lâche pas. Allez, courage. C'est très bien ce que vous faites, allez. Je vous vois pas, mais je sais que vous faites l'effort. Génial. On récupère tranquillement, hein, tranquillement. On repasse au sol. Et on va faire les abdos qu'on a fait tout à l'heure. Hop, où les jambes tombent. Sauf que là, on va faire position ciseaux. Donc, vous tendez les jambes et vous faites comme ceci. On prend son temps. Si vous avez besoin de poser pour récupérer, vous le faites et hop, vous repartez. Génial, allez. Encore, lâchez pas. Vous pouvez regarder le plafond, ça vous tire au niveau de la nuque. Allez, génial, allez, encore, encore, encore. On fait l'effort jusqu'au bout, on lâche pas, les pieds ne touchent pas le sol. Encore. Génial, bravo. On récupère un petit peu. On en profite pour s'étirer. On est bien, on passe un bon moment ensemble, n'est-ce pas? On va travailler les obliques comme tout à l'heure. On prend ses mains et on vient toucher de part et d'autre. Voilà. Super. On souffle bien. Allez, on est concentré dans l'entraînement. On oublie ses problèmes.
Super, c'est bien. Allez, lâchez pas. Encore. C'est beau ce que vous faites, allez. Soyez fiers de vous. Encore. Super. Allez, on va passer pour un prochain exercice. On va passer en Superman, c'est un exo super que j'adore beaucoup aussi. On va passer, hop, là, sauf qu'on va le faire alterner. Allez, on va prendre sa main gauche et sa jambe droite et on va lever. Puis l'autre côté. Hop, hop, allez, hop, encore. Allez, courage. On envoie. On souffle bien. On se repose s'il y a besoin. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes en surpoids qui font les entraînements et c'est génial. Grosse dédicace à tous d'entre vous qui font l'effort chaque jour de s'entraîner. C'est génial. Super. Allez, on remonte tranquillement. Allez, on va essayer de faire un exercice. On appelle ça les fentes. Hop, j'ai mon chrono juste là. On se met debout. Et on avance comme ça. Et on revient. Et on revient. On souffle bien. Génial. Allez. Si vous avez besoin de récupérer, vous récupérez. Vous pouvez mettre les mains là ou les mains devant vous. Allez. Pas d'excuses pour faire du sport. Vous êtes chez vous. Pas besoin de matériel. Les vidéos sont gratuites. Là, ça demande que votre motivation. Que votre motivation, pardon. Génial. Allez. Hop. Super. Allez, prochain exercice qu'on va faire, on va faire du jumping jack. On souffle bien le jumping jack, c'est celui-là. Hop, et hop. Allez, on y va. À son rythme, on revient et on y va. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez mettre un peu plus d'intensité. Encore une fois, chacun son niveau. On n'est pas là pour faire la course. Si on fait du sport, c'est pour nous, pas pour les autres. Et c'est pour progresser soi-même. Pour se sentir bien dans son corps. Allez, lâchez pas. Écrivez-moi à la fin de la vidéo finie quand vous l'aurez fait. Ou envoyez-moi vos vidéos même sur Instagram et Twitter. En train de faire du sport. Soufflez bien, si vous avez un point de côté, si vous avez un point de côté, soufflez bien aussi. On va faire le debout couché qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Doucement, on va au sol, comme ça, et on se relève. Voilà. Et on se relève en douceur. Voilà, super. Si vous avez du niveau ou si vous avez tout simplement plus de cardio, vous pouvez aller plus vite. Très bien déjà. Si vous arrivez à le faire, c'est super. Allez, on prend son temps. Encore. Allez, on remonte, on souffle bien, c'est très très bien, c'est super ce que vous faites. On lâche pas, il nous reste un dernier exercice à faire. Allez, on va faire du Superman. On va faire comme tout à l'heure, sauf qu'on va lever les pieds et les mains en même temps. Si vous n'y arrivez pas, vous faites une jambe comme on a fait tout à l'heure. Super, allez. Lâchez pas.
On va jusqu'au bout. Vous avez pas fait 15 minutes pour rien. Allez. Vous sentez le dos travailler. Enlève bien les genoux. Encore, allez, 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 allez. On lâche pas. Yeah! Bravo, bravo, bravo. Bravo la Team Shape. Vous pouvez être fiers de vous. Maintenant, ceux d'entre vous qui veulent commander mon programme musculation à la maison, le lien est dans la description. Maintenant, la Team Shape, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici. Nouvelle vidéo entraînement tous les jours. Et regardez une autre vidéo sport en cliquant ici. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Bam!